Allez, on enchaîne avec une autre news et nous allons parler de la fin d'une console. Oui, ça y est, c'est fini. Microsoft a confirmé, là, il y a quelques heures à peine, officiellement, qu'en silence, la vie des Xbox One s'en était allée. Alors, la vie, toutes les personnes qui ont une Xbox One, vous pouvez continuer à y jouer, il n'y a pas de problème. C'est juste que la production des Xbox One s'est arrêtée. Alors là, je vous ai montré, là, je vous montre des images de la toute première Xbox One. Vous savez qu'il y en a eu d'autres modèles. Mais en fait, la production de la machine s'est arrêtée en juillet 2020. Alors attention, hein. En juillet 2020, c'était la fin de la production des Xbox One X et des Xbox One S All Digital. En revanche, la Xbox One S, elle, a continué à être produite pendant quelques mois après, avant d'être aussi arrêtée à la fin de l'année 2020. C'est-à-dire, il y a quand même un peu plus d'un an maintenant, au lancement, en fait, de la production des Xbox Series. Voilà. Alors, pour mémoire, c'est vrai que la génération Xbox One, je suis pas sûr qu'elle laisse un souvenir impérissable, ou en tout cas qualitatif, dans la mémoire de Microsoft. Il s'y est passé quand même pas mal de choses, pas forcément les meilleures dans l'histoire de Microsoft, que ce soit le lancement chaotique, les problèmes avec Kinect, les changements de direction, rappelez-vous, Don Matrick, l'arrivée de Phil Spencer, qui néanmoins a enclenché une nouvelle vague, mais il a fallu du temps pour ça. Et puis, les ventes globales, qui sont quand même plus de deux fois inférieures à celles de la PS4. Là où, entre la PS3 et la Xbox 360, il y avait un match, la 360 ayant dominé d'ailleurs pendant longtemps et s'étant juste fait passer devant à la fin de la génération. Il n'y a pas eu de match sur la génération PS4 Xbox One. Et on pourrait même dire que, au-delà des chiffres, donc de la quantité, qualitativement, la PS4 a produit beaucoup plus de grands jeux, des jeux qui resteront dans l'histoire, etc. que la Xbox One. Il y a eu des bons jeux sur Xbox One, mais vraiment, non, c'est pas une génération qui a été fameuse, et à la fois, à mon sens, elle aura permis probablement de reconcentrer les forces vives pour se propulser, et on voit que le démarrage des Xbox Series est bien plus qualitatif. Donc, bon an mal an, on pourrait dire que c'est un peu comme Nintendo avec la Wii U, où ça a été une catastrophe, et derrière, ils arrivent avec la Switch, qui est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eh bien, à suivre. On pourrait dire aussi ça pour la PS3 et la PS4. La PS3, PS1, PS2, domination sans partage. PS3, beaucoup plus compliqué pour PlayStation. Et derrière, ils se sont repris avec la PS4 qui a cartonné. Donc, écoutez, si on parle justement de PlayStation, autant donc la production des Xbox One, c'est fini, autant ça devait aussi être fini pour la production des PS4, mais Sony, je vous en reparlerai prochainement, a décidé de continuer la production de PS4, tout simplement parce que, comme il y a des problèmes de production de PS5, et qu'en termes de semi-conducteurs, c'est plus facile de faire des PS4, ils continuent encore un peu d'en faire.